français est d'abord connu dans le monde du stockage depuis de longues années. Mais avec le temps, on a pas mal évolué autour de tout ce qui est sécurité, avec l'acquisition d'RSA il y a une dizaine d'années, avec tout ce qui est IT as a service dans le monde VMware, et aussi avec Pivotal récemment, donc tout ce qui est plutôt orienté vers Big Data et Analytics. Donc aujourd'hui, EMC, c'est une fédération de sociétés qui aide nos clients à se transformer vers l'IT as a service, tout en supportant avec EMC II, Information Infrastructure, des meilleures références, des meilleures infrastructures qu'on puisse apporter à nos clients. Sur la partie collaboration avec IBRC, EMC a développé déjà depuis de longues années un partenariat assez fort. Je pense qu'on se retrouve dans les aspects qualitatifs, dans les aspects sécurité, et donc c'est comme ça, et en partenariat fort, aussi avec VMware, aussi avec EMC, on a développé des solutions Backup as a Service qui sont basées sur les solutions EMC et les solutions IT as a Service, Infrastructure as a Service, tout en vraiment en forte collaboration avec la fédération EMC, aussi bien VMware que EMCII. On a d'ailleurs plusieurs clients en commun qui fonctionnent sur les infrastructures et je pense que la collaboration est très très productive pour chacun. Donc il y a vraiment une tendance aujourd'hui d'évolution vers du hardware vers le software. On parle aujourd'hui software is eating the world. EMC, pour la première fois en Q3 l'année dernière, a vendu plus de software que de hardware. Pour les gens qui nous considèrent encore comme une société de stockage, c'est tout à fait étonnant. Et donc il y a une évolution dans ce monde-là. Je pense qu'il y a vraiment une tendance d'évolution sur ces sujets-là, avec des croissances continues. Donc on a encore réalisé une croissance de plus de 6% l'année dernière. Je peux vous dire qu'en Q1 et en Q2, on démontre une croissance à deux chiffres sur Belux. Donc le business est bon et la collaboration avec IBRC est particulièrement bonne.